Qu'on reste tous en place. Les familles qui n'ont pas encore vu leur responsable des familles, vous allez le faire après. Amen. Un problème, ça va? Ça va? Élevons la voix, prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous réunis pour nous bénir. Et tu as dit dans ta parole que tu as suscité les ministères pour édifier le corps de Christ. Nous avons la conviction ce matin que tu vas nous faire du bien. Tu vas nous relever, tu vas nous guérir, tu vas nous redonner de l'espoir, tu vas nous remettre sur le bon chemin, tu vas même nous corriger afin que, Seigneur, nous reflétons ton image, afin que, Seigneur, tu nous fasses du bien. Et nous sommes heureux parce que tu as prévu ce moment, pour ce moment important, un homme de Dieu que tu as préparé depuis longtemps. Et nous prions que ta grâce soit sur sa vie. Nous prions que ta faveur l'accompagne et qu'il soit un instrument de bénédiction pour nous. Seigneur, que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On reste debout et puis je vais présenter l'homme de Dieu. On va le recevoir par des acclamations bien nourries. Donc quand je vais le présenter, c'est vrai, tu as bien fait de commencer. Voilà. Celui que nous recevons aujourd'hui, c'est une grâce. Alléluia. Amen. C'est l'un de ceux que j'ai voulu depuis longtemps qui arrive ici. Il est professeur à la FATEAC et il est professeur d'hébreu. Comprenez bien. Alléluia. Je vous ai dit ici chaque fois que l'hébreu me fatigue. Et c'est le professeur d'hébreu qui est là. Alléluia. Amen. Lui, quand il maîtrise l'hébreu là, bien, bien même. Il est pasteur. Il a fait lui-même la FATEAC. Et après, il est allé aux États-Unis, il a fait un doctorat. Il est venu le professeur à la FATEAC aujourd'hui. Il enseigne non seulement les langues, mais il enseigne aussi l'Ancien Testament, les spécialistes en l'Ancien Testament. Si je me trompe, quand il va venir, il va corriger. Je vous ai dit ici que c'est l'un des orateurs de LMTV. Ceux qui regardent bien, vous allez voir que c'est l'un des orateurs. Et LMTV n'invite pas n'importe qui. C'est les spécialistes qu'ils invitent. Amen. Et nous avons la grâce. Il est aussi le responsable des ressources humaines de la FATEAC de l'université, le responsable des ressources humaines, tout le personnel là-bas, il est le responsable des ressources humaines. Il n'est pas venu seul, mais avant de présenter maman et puis lui, on va le recevoir,
Il a deux jolis enfants. Un garçon qui est bien enfant plus que moi-même. Moi aussi, comme un Américain. Et puis une jeune fille que j'ai voulu qu'elle soit là, elle parle bien anglais, puisqu'ils ont fait les États-Unis. Mais malheureusement, à cause des préparations, des fêtes de fin d'année, n'a pas pu venir. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Avec maman. Voilà, c'est l'une de mes mamans. Elle est responsable à la bibliothèque. Quand un papier chauffe, sous on est découragé, se sent ça va aller. Quand il dit ça va aller, et puis ça nous remonte. Alléluia. Amen. On va acclamer pour maman Sanon Marie. Et maintenant, Dr Sanon et son épouse viennent de Burkina. Vient de Burkina, mais dans le Seigneur, il n'y a pas de frontières. Alléluia. Il n'y a pas de frontières. C'est ce que Dieu a mis en nous là. C'est ça qui compte. Alléluia. Et nous sommes vraiment très heureux de le recevoir. Vous allez m'aider à le recevoir. Quand je vais dire son nom, avec les acclamations, bien nourri, Docteur Yakuba Sanon. Prendre vos places, que la gloire revienne à notre Seigneur et à lui seul. Amen. Pasteur Guadio et Madame, merci beaucoup de nous avoir invités. Comme vous l'avez dit, je ne sais pas si c'est depuis la première année, mais ça fait longtemps. Nous rendons grâce au Seigneur, nous sommes reconnaissants pour l'opportunité que le Seigneur nous a donnée d'être ici ce matin. Le temps du Seigneur est toujours le meilleur. Il a insisté et finalement il m'a mis dans le programme. Parce qu'il sait qu'en mettant dans le programme, je n'aurais pas fait de choix que de venir. Et avec mon épouse, nous avons parlé, nous avons prié, nous avons dit bon, certainement c'est ce que le Seigneur veut. Et nous voici ce matin, nous sommes très heureux d'être là parmi vous. C'est vraiment beau et agréable d'être ici. La première impression que on a déjà, c'est le sens de famille. On sent que les gens se connaissent, ils s'aiment, il y a une ambiance joyeuse, une ambiance cordiale, une ambiance de famille. C'est la première impression que j'ai eue lorsque je suis entré, voyant les différents groupes, les familles, étant appelé et venir avec toute cette joie qui accompagne. Nous voulons vous encourager à aller dans ce sens-là. C'est ça la famille de Dieu. C'est ça l'esprit que le Seigneur recherche parmi son peuple. Et que le Seigneur continue de vous bénir ainsi, que le Seigneur continue de manifester sa présence ici, et que l'honneur et la gloire lui reviennent. Le pasteur nous a dit que vous êtes à un dimanche d'action de grâce. Donc nous nous joignons à cette action de grâce pour bénir le Seigneur qui nous a fait tant de bien. Qui nous a fait tant de bien. Et nous sommes aujourd'hui le dimanche 12 décembre 2021. Il reste exactement 13 jours jusqu'à la célébration de Noël et autour de 20 jours jusqu'au nouvel an, le 31 décembre et le 1er janvier. Dans certaines traditions chrétiennes, les 4 semaines qui précèdent Noël sont mises à profit pour réfléchir sur la venue du Messie. On appelle ça le temps de l'Avent. C'est un temps de préparation, un temps de méditation, mais une méditation joyeuse. Donc, au-delà de la préparation de la venue
de Jésus à Noël, donc la commémoration de la venue du Christ et du salut qu'il a apporté à l'humanité, ces églises réfléchissent aussi sur la seconde venue. Donc ce n'est pas seulement la commémoration, Christ est venu, il a apporté le salut à l'humanité, mais ce temps de l'Avent est aussi un temps de réflexion parce que Christ reviendra. Et c'est dans cette perspective que ces églises se préparent. Et ces temps de réflexion sont nécessaires. Parce qu'entre la première venue de Christ et sa seconde venue qui est encore devant nous, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui sont en train de se passer. Nous vivons dans un monde où il y a la souffrance. Nous vivons dans un monde où il y a l'injustice. Nous vivons dans un monde où il y a l'impiété et la violence. Donc, entre ces deux venues, nous sommes dans cette période de tension où la foi est souvent mise à rude épreuve. C'est pourquoi nous devons nous exhorter, frères et sœurs, à demeurer dans la foi, mais aussi à demeurer dans l'espérance. Que celui qui est venu une première fois reviendra une deuxième fois. Il reviendra pour féliciter et récompenser ceux qui auront persévéré jusqu'au bout. Il reviendra aussi pour châtier les méchants avec un châtiment exemplaire. Mais ce n'est pas toutes les églises qui célèbrent la venue de Christ de cette façon. Donc, il y a des églises évangéliques qui n'ont pas ce temps de l'Avent. Donc, pendant cette période de décembre, il y a beaucoup de programmes, beaucoup de jeûnes et de prières, beaucoup de manifestations, des retraites. Certains chrétiens sont souvent sur la défensive parce qu'ils regardent de tous côtés pour voir s'il n'y a pas d'attaque. Et s'il y a des attaques, ils sont prêts à contre-attaquer. Donc, ils sont sur le mode défensif et ils sont en même temps sur le mode offensif parce qu'ils sont prêts à envoyer des bombes spirituelles partout. L'idée derrière cela, c'est quoi? C'est que beaucoup pensent que le diable devient beaucoup plus actif en fin d'année. Que le diable a soif de beaucoup de sang en fin d'année. Je ne crois pas que ce soit une idée biblique. Parce que nulle part dans la Bible, nous voyons ce genre de conception. Le message que le Seigneur a pour nous ce matin, c'est qu'il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Du 1er janvier au 31 décembre, le Seigneur règne. Le Seigneur règne sur son trône. Il n'y a pas de changement. Quelles que soient les activités de l'ennemi, du diable et de tous ses agents, l'affirmation de l'Écriture est que du 1er au 31, c'est-à-dire constamment, le Seigneur règne. Nous, en tant que chrétiens, devons vivre avec cette assurance. Nous n'avons pas besoin d'amplifier inutilement les activités ou les actions de l'ennemi. Le Seigneur règne. Si vous croyez en cela, notre message de ce jour va vous encourager. Et cela doit avoir des implications dans nos attitudes, dans notre comportement. La difficulté que nous avons souvent aujourd'hui, c'est que, en tant que chrétien, beaucoup de chrétiens confessent une chose, mais ils agissent différemment. Ils confessent que le Seigneur règne. Ils confessent que Christ est roi, qu'il est victorieux. Mais quand on regarde à leur comportement, on ne voit pas cela. Dieu désire que ce que nous croyons, ce que nous savons de sa parole, nous puissions le traduire
dans nos actions. Pourquoi le thème de ce message, du message de ce matin, c'est Emmanuel, le héros qui nous sauve. Amen. Emmanuel, le héros qui nous sauve. Il est inspiré de deux passages de l'Écriture. Le premier dans l'Ancien Testament, dans le livre de Sophonie, et le deuxième dans le livre de Matthieu. Sophonie 3, versets 14 à 20. Le pasteur a dit tout à l'heure, il enseigne l'Ancien Testament. Si vous n'avez jamais vu Sophonie, cherchez aujourd'hui. Je vous laisse le temps de chercher Sophonie dans votre Bible. C'est dans la Bible, c'est pas ailleurs, c'est dans la même Bible. Donc, cherchez Sophonie au chapitre 3. Il n'y a que trois chapitres. Nous sommes au troisième chapitre à partir du verset 14. Le deuxième texte, c'est Matthieu 1, versets 18 à 22. Sophonie, chapitre 3. Je vois des gens qui cherchent, vous cherchez, cherchez. C'est dans la Bible. Dans l'Ancien Testament. Dans les prophètes. Ce qu'on appelle les petits prophètes. Donc, dépasser Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, continuer. Vous allez retrouver Sophonie sur votre chemin. Sophonie 3. À partir du verset 14. Sophonie 3, à partir du verset 14, nous allons lire jusqu'au verset 20. Voilà. Est-ce que tout le monde a trouvé? Je lis dans la version, la Bible dite la version Colombe. Sophonie 3, verset 14. Pousse des cris de triomphe, fille de Sion. Lance des clameurs, Israël. Réjouis-toi et exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a écarté de toi les jugements. Il a détourné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à craindre. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, sois sans crainte. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Verset 18. Je recueillerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont demeurés loin de toi, sur qui le déshonneur pesait comme un fardeau. Voici qu'en ce temps-là, j'agirai contre ceux qui t'affligent et je sauverai celles qui boitent. Et je rassemblerai celles qui étaient chassées. Je ferai d'eux un sujet de louange et de renom sur toute la terre où ils sont dans la honte. Verset 20. En ce temps-là, je vous ferai revenir. Ce sera le temps où je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de renom et de louange parmi tous les peuples de la terre. Quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons lire le texte de Matthieu plus tard. Je vais vous parler un peu de Sophonie. Sophonie est un prophète qui a servi au temps de Josias. Vous savez, Josias, c'est le roi qui a mené transformation, une réforme dans le pays de Juda, dans le royaume de Juda. La réforme était nécessaire pourquoi? Parce que les rois qui ont précédé Josias, Manassé et Amon étaient des rois impies qui ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils ont entraîné le peuple dans l'idolâtrie. Ils ont entraîné le peuple dans la corruption.
Comme quoi, la direction que le leader prend, il entraîne la plupart du temps ceux qui le suivent. Le jeune Sophonie, prophète appelé par le Seigneur, a exercé une influence sur le roi Josias. Parce que le chapitre 1 nous montre que c'est sous le règne de Josias qu'il a prophétisé, que le Seigneur l'a appelé. Donc par son ministère, il a influencé Josias à faire de bons choix. Son message se porte sur l'arrivée du jour du Seigneur. Et le thème majeur, le jour du Seigneur. Dans ce que nous avons lu, vous avez entendu tout à l'heure, en ce jour-là, de quel jour s'agit-il? Il s'agit du jour du Seigneur. Un jour de colère, un jour de vengeance. Si vous lisez les versets 14 à 18, vous allez être surpris par les termes qui sont employés. Il est proche, le grand jour de l'Éternel. Il est proche, il arrive en hâte. Au bruit du jour de l'Éternel, le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de courroux, un jour de détresse, d'angoisse, un jour de dévastation, de ravage, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront le cor et la clameur contre les villes fortes et contre les tours élevées. Je mettrai les humains dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. La première partie du message de Sophonie, un jour de terreur, il annonce un jour de terreur à venir. Le chapitre 2 est un chapitre qui porte sur la repentance. Malgré ce jour qui s'annonce à l'horizon, le prophète appelle le peuple de Juda, le peuple de Dieu, à se repentir. Il annonce le jugement contre tous les ennemis, contre tous les oppresseurs d'Israël. Mais il dit aux Israélites de se repentir. Et au chapitre 3, le jugement va atteindre le peuple de Dieu, en particulier Jérusalem. C'est après ce jugement qu'il y a les promesses. Promesses de restauration qui commencent au verset 9. Le prophète met ici un accent sur la présence de l'Éternel. Dieu qui est présent au milieu de son peuple comme un héros qui sauve, un vaillant guerrier qui sauve. Il dit au peuple que leur salut, leur délivrance est un acte de grâce, est un acte de miséricorde. Parce que tous les oppresseurs, les Philistins, les Égyptiens, les Assyriens, les Éthiopiens, c'est Dieu qui va se charger de leur sort. Le texte que nous avons lu parle de ces promesses-là. Nous allons voir tout à l'heure le lien avec le texte de Matthieu. Dans les thèmes du salut et de la présence de l'Éternel. Sophonie appelle à la réjouissance. La première partie de son texte, le texte que nous avons lu, c'est un appel à se réjouir. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi, exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné de toi les jugements. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus à redouter le malheur. Verset 14 et verset 15. Bien avant ce texte, il a qualifié la ville de Jérusalem de ville cruelle, de ville rebelle, pleine d'allégresse, contre qui le Seigneur s'était irrité. Maintenant, il emploie un terme affectueux. Il appelle ceux qu'il a déjà condamnés et frappés affectueusement la fille de Sion, la fille de Jérusalem. Comme quoi le Seigneur ne rejette pas sa touche lorsqu'il afflige. Il y a quatre impératifs qui sont utilisés dans ce texte-là. Pousse des cris de joie. Tout à l'heure, le pasteur a dit, si vous êtes dans la joie,
poussé des cris de joie. Ils ont poussé des cris de joie. Ici, c'est une vision prophétique. Ce n'est pas encore arrivé. Les termes utilisés poussent des cris de joie. En fait, c'est entonner un cœur joyeux, entonner un chant joyeux. Parce que le Seigneur va opérer des prodiges, des miracles. Le deuxième impératif, c'est pousse des cris d'allégresse. Ici, on monte les décibels. Il s'agit de jubiler, de manifester bruyamment sa joie. Les deux autres impératifs, réjouis-toi, exulte de tout ton cœur. Il est question de célébration. Il est question de fêter. Qu'il s'agisse de la fête des hommes qui viendra, la fête des enfants, des femmes, il y a de la place pour célébrer. Et le Seigneur dit ici, par la bouche de son prophète, poussez des cris de joie, poussez des cris d'allégresse, réjouissez-vous, manifestez publiquement, bruyamment, votre joie et votre allégresse. Et les raisons sont données. Il ne s'agit pas de le faire parce qu'on a pensé le faire. Dieu donne des raisons lorsqu'il nous demande de faire des choses. La première raison, c'est que le Seigneur a détourné de le jugement. Dieu ne juge pas deux fois pour le même péché. Ils ont été jugés, je répète. Dieu, le Seigneur, ne juge pas deux fois pour le même péché. Ils ont péché contre le Seigneur. Ils se sont détournés de lui. Le Seigneur les a châtiés. Le Seigneur les a corrigés. Il a tourné la page. Maintenant, il dit, réjouissez-vous parce que le Seigneur a détourné le jugement de vous. Ce que le Seigneur leur disait, c'était de ne plus vivre dans la culpabilité. Il n'était pas nécessaire pour eux de vivre sous le poids de leur péché passé. Le Seigneur a détourné de le jugement. Il a dévié le jugement. Dans une autre version, il a dit, l'Éternel a levé le verdict de condamnation qu'il pesait contre lui. Frères et sœurs, même lorsque les situations sont difficiles, une chose que nous avons, c'est que le Seigneur nous a sauvés. Il nous a pardonnés. Nous n'avons plus à vivre dans la culpabilité. Si nous avons péché contre lui, il est fidèle et juste. Nous confessons nos péchés de nous pardonner et de nous délivrer, de nous purifier. La première raison pour se réjouir, c'est que le jugement a été détourné par le Seigneur. La deuxième raison, le Seigneur a éloigné leurs ennemis. Il a refoulé leurs ennemis. La défaite est passée dans le camp de l'ennemi et la victoire est revenue dans le camp du peuple de Dieu. Parce qu'avant, c'était quoi? Les autres nations, les Philistins, les Babyloniens plus tard, ont conquis les Israélites. Ils ont défait les Israélites. Et là, le Seigneur dit, il va éloigner les ennemis, il va les repousser. La deuxième raison pour laquelle ils doivent se réjouir. La troisième raison, c'est que l'Éternel, leur roi, manifeste de nouveau sa place, sa présence au milieu d'eux. Le Seigneur est toujours roi, il a toujours été roi. Il n'y a pas eu de jour, il n'y a pas eu de moment, il n'y a pas eu d'année où le Seigneur n'est pas roi. Donc quand le Seigneur dit, je suis présent au milieu de vous, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Le peuple avait outragé le Seigneur et abandonné le Seigneur. Donc, la présence du Seigneur, qui devait être une présence de bénédiction, s'est transformée en présence de jugement.
Maintenant que le Seigneur a exécuté le jugement, le Seigneur dit, je suis au milieu de vous. Frères et sœurs, nous pouvons avoir le Seigneur soit comme juge, soit comme avocat, soit comme le libérateur. Mais le Seigneur les rassure. Désormais, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui assure leur protection et leur sécurité. Ces deux versets sont importants, frères et sœurs. Nous sommes appelés à nous réjouir. Nous sommes appelés à exulter, à manifester notre joie. Et cette manifestation de la joie, quelquefois nous le faisons à titre de provision, de foi. Parce que nous croyons que le Seigneur a déjà accompli quelque chose. Là où sont les Israélites, là où le moment où le prophète parlait, ces choses n'étaient pas encore arrivées parce que le prophète avait en vision ce qui venait. Mais Dieu lui a communiqué cette vision pour leur dire, parle-leur maintenant. Et lorsque le prophète a parlé, il n'a pas dit, vous vous réjouirez, il a dit, réjouissez-vous maintenant. Donc c'est un acte de foi que le prophète attendait de leur part. Nous sommes appelés à nous réjouir parce qu'il y a des raisons. Le Seigneur nous a pardonné, nous a libérés. Sa présence est au milieu de nous. Chrétiens et chrétiennes, frères et sœurs, le Seigneur vous parle, le Seigneur nous parle ce matin. Il y a un problème aujourd'hui avec les ennemis. Pourquoi cherchons-nous à identifier, à nous concentrer sur des soi-disant ennemis? Il faut que nous soyons clairs ici. Les ennemis dont il s'agit ici, ce ne sont pas des ennemis personnels, il s'agit des ennemis du peuple de Dieu. Quand vous entendez ennemi, vous commencez à penser à une personne, à une autre personne. Votre ennemi n'est pas votre patron d'abord, ce n'est pas votre voisin, ce n'est pas votre tante, ce n'est pas votre cousine, ce n'est pas votre oncle. Pourquoi passons-nous tant de temps, dépensons-nous tant d'énergie pour aller combattre nos frères et nos sœurs, les personnes, les êtres humains? Pourquoi se focaliser, attirer, mettre toute notre attention sur des personnes? Les dénicher, les poursuivre et les combattre. Ton Dieu est au milieu de toi. Alléluia. Amen. Ton Dieu est au milieu de toi comme un héros puissant. Amen. Ne vaut-il pas mieux se concentrer sur ce héros puissant que de se concentrer sur l'ennemi? C'est le message du Seigneur pour vous ce matin. Amen. Que nous